En Afrique du Sud, selon les données publiées le 15 février 2021 par la Chambre des entreprises agricoles du pays, les exportations agricoles ont rapporté 10,2 milliards de dollars en 2020. Si ce chiffre marque une légère hausse de 3% par rapport à l'année précédente, il représente surtout le second plus haut niveau de l'histoire du pays, après le record des 10,7 milliards de dollars affiché en 2018. Malgré la mauvaise situation de l'économie mondiale liée au coronavirus, le secteur agricole reste l'un des secteurs ayant tiré son épingle du jeu. En affichant cette performance exceptionnelle, le secteur agricole sud-africain s'inscrit dans cette même dynamique qui est aussi imputable à une production agricole importante et qui a permis aussi d'augmenter le volume d'expédition et d'améliorer la position concurrentielle des produits sur les marchés mondiaux avec notamment la faiblesse de la monnaie locale, à savoir le rand. Selon la Chambre des entreprises agricoles du pays, cette prouesse a été le résultat d'une production agricole importante qui a permis d'augmenter le volume des expéditions et d'une meilleure compétitivité des produits sur le marché mondial avec la faiblesse de la monnaie locale, le rand. Sur la période, les principaux produits exportés en valeur ont été les agrumes, les raisins, le vin, les pommes, le maïs, le sucre et les jus de fruits, entre autres. Récemment, l'Afrique du Sud a entrepris des réformes pour s'attaquer aux contraintes structurelles qui freinent la croissance économique et la création d'emplois. Comme les conditions météorologiques difficiles pèsent souvent sur les performances agricoles, les autorités doivent continuer à réinventer l'agriculture, ce qui nécessitera de poursuivre les réformes pour sécuriser l'accès aux fonciers, d'investir de manière intelligente pour moderniser la filière et former les agriculteurs aux nouvelles techniques de production pour améliorer les rendements. Une nécessité quand on sait que l'agriculture est l'un des principaux contributeurs à la croissance économique du pays. Avec ce résultat positif, l'Afrique du Sud vient de confirmer encore une fois son statut de leader agricole du continent africain et demeure l'un des pays rares à afficher un excédent net agricole. Notons que le secteur fournit environ 13% des exportations de marchandises et représente près de 5% du PIB sud-africain.